Chers amis, gentlemen, rétro gamers, bonjour, bienvenue sur votre chaîne John Underton TV. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler d'un jeu, d'une saga sur PlayStation 1, un petit peu oublié. Alors, dans un contexte de sortie de Starfield, il est sorti vendredi en Early Access et il sort en sortie classique le 6 septembre, j'ai eu envie de revenir sur une saga galactique que j'aime particulièrement sur PlayStation 1. Il s'agit de Colony Wars. Colony Wars, c'est un titre édité par Psygnosis qui est sorti en 97, donc sur la deuxième période de vie, déjà on est sur un jeu de deuxième génération hein, finalement. Une suite une année après, Colony Wars Vengeance, et un troisième volet pour clôturer la saga en 2000, Colony Wars Red Sun. On va s'attacher aujourd'hui à ce shooter galactique à l'ambiance incroyable. C'est parti, générique! Lorsque j'étais jeune, l'Empire Terre contrôlait les cieux. Le tsar et ses flottes de combat voyaient tout, savaient tout et punissaient tout. Aucun d'entre nous sur les colonies ne pouvait imaginer qu'il en soit autrement, et moins encore que nous puissions un jour faire partie de la résistance. C'est alors que le véritable massacre a commencé. Alors, comme vous pouvez le constater, Colony Wars nous plonge en plein milieu d'un conflit intergalactique. Le tsar contrôle une grande partie de l'univers et pille les ressources des planètes plus faibles pour assouvir les besoins de l'Empire. Vous faites partie de la rébellion, autrement appelée la Ligue du Monde Libre, et aux commandes de votre vaisseau, vous allez devoir assumer différentes missions pour aller contrecarrer les plans du tsar. Welcome to the League of Free Worlds Information System. Alors, dès le menu du jeu, Colony Wars vous place immédiatement dans l'ambiance puisque vous avez le sentiment de vous connecter à l'interface de la rébellion. Celle-ci va vous permettre de paramétrer notamment vos contrôles, de partir en mission d'entraînement ou bien sûr de vous lancer directement dans l'aventure. Alors si, comme moi, vous avez perdu tous vos points sur votre permis B intergalactique, je ne peux que vous conseiller de faire les missions d'entraînement. Elles sont extrêmement réussies au nombre de 6 et vous permettre de comprendre les déplacements de votre vaisseau dans l'espace, avancer, freiner, faire pivoter votre caméra gauche-droite pour vous réaligner face à un objectif par exemple, et bien sûr utiliser votre armement. Vous verrez que vous aurez plusieurs armes primaires et secondaires. La bonne idée du jeu, avoir un canon laser anti-bouclier qui vous permet d'abord d'attaquer le bouclier de vos ennemis, puis ensuite de les attaquer au laser pour les faire exploser. Bien sûr, vous avez une pléthore de missiles qui vous permettra là aussi de les ralentir, d'attaquer le blindage, etc. Alors, au niveau des graphismes, on se retrouve face à un jeu extrêmement réussi. Je vous ai capturé des images de gameplay directement sur mon téléviseur, d'autres issues d'internet ou d'émulateurs. Écoutez, on a énormément d'effets très agréables à l'écran. Le plus marquant d'entre eux, c'est cet effet de particules qui va conférer un réalisme et une notion de vitesse très agréable à l'écran. Je pense également aux effets de lumière. Alors, soit quand on va se tourner vers une planète extrêmement lumineuse, soit quand on va avoir une explosion de vaisseau. Que dire également des effets de lumière qui se reflètent sur le cockpit? Ils sont du plus bel effet. Bien évidemment, on ne peut pas ne pas parler des scènes cinématiques en images de synthèse, et là aussi, pour l'époque, extrêmement réussi. Donc, on a quelque chose qui, à l'époque de la PS1, en 97, flatte la rétine. C'est un jeu qui, vraiment, visuellement, est extrêmement agréable. Je rappelle qu'on a trois vues différentes, la vue subjective, la vue cockpit et une vue externe. Là aussi, pression sur la touche Select, on va pouvoir passer de l'une à l'autre. Voilà, j'avoue que pour ma part, j'aime beaucoup la vue cockpit quand je suis en mission et passer en vue externe pour admirer un petit peu les alentours. Alors, au niveau de l'ambiance sonore, le jeu est extrêmement réussi. Qu'il s'agisse des bruitages, de lasers, des vaisseaux, des explosions, voilà, on a quelque chose d'assez réaliste.
pour autant qu'on puisse se faire une idée d'un bruit réaliste de laser. Et au niveau de la musique, eh bien écoutez, c'est l'aspect peut-être le plus fort du titre. Alors, elles ont tendance à se répéter un petit peu, on n'a pas un nombre de musiques extrêmement différent. Par contre, les musiques présentes dans le jeu sont juste exceptionnelles. Je vous en mets tout de suite un petit morceau. Au niveau du gameplay, on est face à un jeu qui répond extrêmement bien, manette en main, aux sollicitations que l'on peut lui donner. La signalétique des ennemis, bleu, vert, permet vraiment normalement de se diriger quand même très facilement et de bien distinguer le bien du mal. La vraie singularité de Colony Wars, c'est l'architecture des missions, puisque ce ne sont pas moins de 70 missions que vous allez pouvoir jouer au fil des différents actes que compte le titre. Je vous en mets un schéma sous les yeux. Selon les actes, vous aurez une, trois à cinq missions. Et finalement, le jeu n'est pas punitif, vous ne perdrez pas immédiatement. Je fais la mission 1, je la réussis, je passe directement à la mission 3. Je perds, je passe à la mission 2. En fait, vous allez construire un scénario au fil de vos réussites ou de vos défaites. Bien évidemment, si vous ne faites que perdre, bah vous verrez la mauvaise fin, une des mauvaises fins du jeu très rapidement. Et le jeu vous ramènera sur l'arborescence des missions pour pouvoir revenir en arrière et choisir une inflexion différente. On peut mentionner que le jeu propose 6 fins différentes. Donc vous l'avez compris, on a une rejouabilité du titre qui est bonnement et purement exceptionnelle. Allez, voici notre boîte de Colony Wars. Vous voyez, je l'ai trouvé en très très bon état. Voilà, on a quelques screenshots du jeu sur l'arrière. Voilà, notre notice. Alors, une notice qui va faire vraiment le strict minimum. Vous voyez, pas de photos du jeu à proprement parler. Alors, ça n'est pas pour autant un défaut, puisque... on l'a vu, on a un menu qui est extrêmement bien fait et qui nous renseignera très très bien sur la manière de jouer le jeu. Voilà, la particularité, c'est que le jeu tient sur deux CD. On en a parlé, c'est lié notamment au fait d'avoir un jeu qui, au total, compte 70 missions, de nombreuses cinématiques. Donc voilà, il faut faire tenir le tout sur deux CD. Allez, je vous propose que nous passions tout de suite à un gameplay. Allez, c'est parti pour une petite partie, un petit gameplay ensemble. Allez, on va filer directement au menu. Vous voyez, ça c'est plutôt cool déjà. On a un jeu qui a été entièrement doublé en français. Et comme je vous le disais, quand on se connecte, voilà, on a vraiment l'impression de se connecter à l'interface de la rébellion. Alors, les options... voilà, audio, vidéo, manette, carte mémoire, c'est assez complet. La manette, c'est plutôt bien fait. Moi, j'aimais bien à l'époque la modélisation des manettes dans les jeux. À noter, alors là, je joue par l'entremise de la PlayStation 3 pour vous faire une capture propre. Mais quand vous jouez sur le matériel d'origine et que vous jouez avec une DualShock, que vous activez la DualShock, la manette change à l'écran. C'est plutôt pas mal. Allez, connexion. Alors l'entraînement, vous voyez, vous avez accès donc à 6 missions, hein, des missions de vol et des missions pour utiliser les armes. On va faire la toute première, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Cette mission d'entraînement a pour but de vous familiariser avec le système de contrôle de votre vaisseau. Ah, là aussi, c'est pas mal, chaque briefing est parlé, et bien évidemment ici en français. Au bout de quelques secondes, vous verrez une porte interspatiale. Vous devez manœuvrer votre vaisseau jusqu'à ce que vous soyez à portée de la porte interspatiale. C'est là que finit la... Allez, on y va. À chaque fois, vous avez droit à une petite cinématique où on voit le vaisseau s'extraire
de la maison mère, du vaisseau mère, pour partir en mission. Bienvenue dans votre appareil, pilote. Profitez de ce moment pour vous familiariser aux commandes. Reportez-vous à votre manuel pour obtenir des instructions supplémentaires. Je ne suis pas habitué à jouer avec la manette de la Play 3 ou les sticks. Dirigez votre vaisseau vers le passage intergalactique qui apparaît sur votre radar de ciblage. Ne sont pas reconnus. Voilà, R1, j'avance. L1, je recule. Comment veux-tu ? Hop, voilà. Et les gâchettes nous permettent de réaligner la visée. Voilà, la nébuleuse par laquelle on va s'extraire est là. Donc si j'appuie sur Select... Voilà, je change de vue. Alors sur la partie graphique, hein, j'ai pas évoqué tout à l'heure le gigantisme aussi des vaisseaux. J'ai parlé des effets de lumière. Vous voyez celui du réacteur de notre vaisseau ici. Écoutez-moi cette musique, s'il vous plaît. Voilà, mais il va sans dire que là... Ah, regardez ça. La taille des vaisseaux est bien évidemment aussi quelque chose de très kiffant. Voilà, le cockpit aussi, hein, qui est la représentation du cockpit. Ah, j'ai touché, qui est plutôt classe. Et une chose qui mérite d'être mentionnée aussi sur la partie graphique, c'est bien sûr le radar en 3 dimensions. Voilà, qui est vraiment bien fait, très agréable, et qui, dans cet univers en 3 dimensions, nous sera forcément très utile. Bon voilà, la première, cette mission-là, elle ne sert qu'à se mouvoir un petit peu. Donc on a vraiment un jeu à la réalisation extrêmement léchée, tant au point de vue graphique que sonore, et ça contribue de manière évidente à nous mettre dans l'ambiance. Ouais, écoutez, je pense qu'on va en rester là pour l'entraînement. C'est pas utile pour moi, mais je vous invite à les faire, bien évidemment. Le système stellaire. Il gouvernait et opprimait la population, puis ramenait son butin sur Terre. La Ligue était restreinte, mais très soudée, capable d'attaquer violemment... Ah, donc des scènes cinématiques vraiment très bien réalisées, qui vont venir nourrir la narration sur un scénario qui a été vraiment travaillé pour le coup et dont les embranchements sont nombreux et complexes. Cette fois, nos familles avaient besoin de nous. Cette fois, nous protégions nos propres maisons. Voilà, comme à chaque fois, le briefing parlé. Semble se multiplier. La préparation d'incursions militaires protractées est à craindre. Des messages secrets signalent le ciblage concentré de zones planétaires, y compris des zones civiles. Des combattants de la flotte sont actuellement en route pour le spaceport de Midas. Cible vraisemblable, les transports civils arrimés. De grosses pertes civiles sont attendues, probablement aussi de cargo. La grille de défense en place est inutilisable de par la proximité des vaisseaux civils. Les incursions de la flotte dans Galactica sont inacceptables. On y va. C'est une mission, on va devoir tuer tout le monde, normalement. Et pas tuer les civils. On va devoir faire attention. Allez, nous y voilà. Stellaire Midas, nous sommes attaqués par l'ennemi. Aidez-nous. J'arrive. Alors, avec le rond, les missiles. Avec carré, je change de laser. Laser classique et l'anti-bouclier.
Voilà, donc notre tir se recharge. Missiles. Les missiles sont limités. En revanche. Voilà. En revanche, nos lasers eux, sont illimités. Par contre, voyez la jauge en haut qui se remplit, en haut à gauche. En haut à gauche, c'est mon ATH. À droite, c'est celui de l'ennemi loqué. Alors, j'ai un peu plus de mal puisque là, je joue avec la croix de direction et pas les sticks. Bon, c'est un jeu, forcément, qui prend tout son sens avec la DualShock. Peut-être que j'aurais dû aller dans les paramètres pour la prise en compte. Wow. Vous voyez les bruitages quand le vaisseau passe à proximité. Voilà. S'il y en a parmi vous qui ont envie de vomir, des petits sacs se trouvent juste sous votre siège. Hop. Un seul ennemi restant. Un seul ennemi restant, donc encore une fois on cède un peu de la carte. Vous avez aussi une flèche, vous l'avez vu sur... On va passer dessous. J'avais dit dessous. Voilà, il est là. Écoute-moi bien toi. On veut pas de toi dans le port de Midas, ok? Voilà, donc on a une interface, un ATH qui est quand même franchement plutôt bien fait. Et qui nous aide, hein, qui nous aide plutôt bien. Là, c'est pas mal aussi, vous avez vu, il commence à fumer. Ici le port stellaire Midas, zone libérée, félicitations. Merci. Vous pouvez vous arrimer. Séquence d'arrimage enclenchée. Eh bien voilà, écoutez, on va s'arrêter là. On fait une petite mission, voilà, c'était vraiment une mise en bouche pour vous, je l'espère, donner envie, voir un peu le jeu en action. Voilà, c'est vraiment un jeu que je trouve excellent. Et à mon avis, quand on aime, bien sûr, c'est toujours la même chose, les jeux de tir spatial. Alors, bah, qu'il faut faire, hein, qu'il faut jouer. Vaisseau détruit par le pilote... Hop, hop, hop. Nombre de pertes de vaisseaux de la flotte. Donc, 3. Oui, vaisseau, c'est-à-dire est-ce que j'ai perdu un vaisseau? Non. Nombre des pertes de combattants de la flotte, 0. Continuez la campagne. Les attaques de centres civils provoquent de graves pénuries. Voilà, donc là, la première mission est réussie. Donc je vais pouvoir avancer dans le scénario. Si j'avais perdu, j'aurais pris une direction différente dans l'emmanchement. Allez, je vous propose une petite conclusion à cette vidéo. A tout de suite. Les inspecteurs de réseau de la zone AK... Eh bien écoutez les amis Gentlemen Retro Gamer, cette vidéo est désormais terminée. Voilà, en conclusion, hein, vous l'avez compris, pour moi, ce Colony Wars est un très très bon jeu sur PlayStation 1. Je vais continuer à acquérir les deux suivants, hein, on l'a dit, c'est une trilogie. Colony Wars Vengeance améliore encore la recette avec un aspect technique plus travaillé, des graphismes plus léchés. Quant à Colony Wars Red Sun, manifestement, il est en deçà avec un gameplay qui peut être un petit peu moins bon, manifestement. Je me ferai ma propre idée dans quelques mois et je vous la soumettrai comme toujours. Voilà, en tout cas, on ne peut que s'interroger et trouver dommage le fait que cette saga n'ait pas été reprise depuis le temps. Écoutez, c'est une très bonne raison de ressortir la PlayStation du carton, de reprendre la manette et puis d'aller vivre cette saga, vous l'avez vu, au fil d'un scénario travaillé, complexe, avec des rebondissements. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous, commentez. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Ciao !